Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournoi des Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour un nouvel épisode d'ouverture de Cristaux d'Arène de l'Incollectable. J'en suis à l'épisode 13 et j'ai déjà réussi à récupérer 3 fois, donc en 12 épisodes, le Punisher 5 étoiles. Donc une première fois je l'ai récupéré, puis je l'ai éveillé une fois et une seconde fois, donc dans l'épisode 12 que vous avez peut-être vu, je le mettrai en description de la vidéo. Donc là, on est reparti sur cet épisode 13. Je m'attends pas à autant de chance que sur l'épisode 12, mais au moins récupérer pas mal d'unités. C'est toujours ce qui compte pour moi, et sur un malentendu, quelques énergies, parce que là, il faut avouer que la quête d'événements du mois d'avril 2018 a été vraiment très gourmande en énergie, en dépense d'énergie. Je crois que Kabam s'est un peu planté, enfin, Kabam se plante beaucoup sur ces derniers mois, enfin, ces dernières semaines, sur leurs choix. Et donc là, notamment, ils ont fait cramer énormément d'énergie sur les dernières quêtes d'événements qui étaient liées aux failles du chaos, donc l'événement qui faisait référence à Thanos, donc vous pouvez voir en bas à droite de mon écran, par là. C'est vrai que c'est inversé, la vidéo. Et notamment, bah, le film associé à Avengers Infinity War, qui est une tuerie. Donc voilà, il me faut des unités, il me faut aussi des énergies, et il me faut peut-être, sur un malentendu, encore un Punisher 5 étoiles, mais il faut pas pousser le bouchon trop loin. Maurice, ça va être une de mes nouvelles expressions. Donc c'est parti, comme d'habitude, pour l'ouverture de 100 cristaux d'arène de l'incollectable. Je vous rappelle que ces cristaux, vous pouvez les récupérer, enfin en tout cas, transformer vos insignes de combat en cristaux d'arène de l'incollectable quand vous êtes venu à bout du chapitre 2 de l'acte 5, c'est-à-dire que vous avez battu le collectionneur. J'essaierai de remettre également ma vidéo tips sur le combat contre le collectionneur. Alors je l'ai faite cette vidéo à un moment où j'avais pas des champions aussi élevés, où j'avais pas la même, on va dire, habitude de combattre le collectionneur, mais je pense que ça pourra quand même vous aider, vous donner des petits tuyaux sur ce à quoi vous attendre si vous voulez aller battre le collectionneur dans ce fameux chapitre 2 de l'acte 5. Alors comme d'habitude, j'ouvre par 10 pour les premiers 90 cristaux, et après je ferai les 10 dernières ouvertures une par une, comme d'habitude. Alors vous avez remarqué hein, sur le dernier épisode, c'est pas forcément sur ces 10 dernières ouvertures qu'arrive le Graal, que tombe, que pop le Punisher 5 étoiles, hein, c'était arrivé sur mes ouvertures par 10, sur l'épisode 12, donc ça ne veut vraiment rien dire, mais là, on va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, ce que je veux, c'est beaucoup d'unités, et là, à mi-parcours, je dois avouer que c'est pas folichon. En moyenne, je vous dis, je tourne à 1800 unités par 100 cristaux. Une fois, j'ai dépassé les 3000, c'était vraiment hors norme, cet opening. Là, 1200, ouais, je vais être sur une petite série. Ceci dit, il me reste encore 30 cristaux à ouvrir, donc je ne sais pas, ça peut peut-être monter un peu. 1350, ouais, ça me semble quand même un petit peu compromis. 1575, allez, les 10 derniers, je les fais un par un. Mais là, comme vous le voyez, apparemment, en termes d'unités, c'est un petit épisode, c'est un petit opening. Alors peut-être que ça veut dire que je vais récupérer, encore une fois, le Punisher 5 étoiles. Ça m'étonnerait, parce que, comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de chance sur l'épisode 12. Mais au moins, balancez-moi. Si ce n'est pas des énergies, au moins des unités, s'il vous plaît, Kabam. Quoi que Kabam, faut pas être poli avec eux, faut être plutôt... faut leur parler dirty. Allez, oui! Ah non, une énergie, je voulais une full énergie et il me file 15 000 or. Il faut savoir que quand on fait, je vous rappelle, beaucoup d'arènes, l'or, ça tombe vraiment énormément du fait de ces ouvertures de cristaux d'arène ou l'incollectable, ou des cristaux d'arène tout court. Donc c'est vrai que tomber sur de l'or, sur ce genre de cristaux, c'est la plus grosse probabilité, hein, certes, hein, je vous rappelle, c'est 0,02% pour tomber sur, je vais vous remontrer les taux, hein, c'est 0,02% pour tomber sur le héros 5 étoiles, donc sur Punisher, mais par contre c'est 83%, presque 84% de chance pour tomber sur de l'or, et les capsules d'énergie, 0,35%, donc c'est moins pire que le Punisher 5 étoiles, mais c'est quand même pas énorme, il y a quand même 15% de chance de tomber sur des unités. À 1500 et quelques, c'est pas mal, mais j'aurais préféré être un peu plus verni. Maintenant, il faut pas trop en demander. Comme je vous le dis, l'épisode 12 a été vraiment très riche, très fast en termes de tirage de champion. Donne-moi des unités, Kabam. Rattrape-toi. Fais-toi pardonner, parce que ces derniers temps, c'est un peu chaotique, le tournoi. Il se passe vraiment des choses pas très cool, même je dirais, dirt. Comme je l'ai précisé tout à l'heure. Bon, Kabam, s'il te plaît, donne-moi au moins les unités. Arrête de me donner de l'or, là. Eh non, je n'ai que faire de ton or, je n'ai cure. Allez, va-t'en avec ton or, Kabam.
Ça serait bien qu'on puisse transformer l'or en unité, mais là, non. Là, ils perdraient leur Milky Way, ils perdraient leur pigeon et leur vache à lait, donc non. Bon, forcément, ça n'arrivera jamais. Faut pas que je rêve, juge, hein. Arrête de rêver. Et on continue, les amis. Je n'attends pas trop quand je vous disais de Punisher sur cet épisode 13, même si le chiffre 13 est un chiffre porte-bonheur. J'attendrai quand même un petit peu plus d'unité. Arrête-toi juste à côté. Et allez, 15 000 en plus, je crois que 15 000 or, c'est parmi les plus petites sommes qu'on puisse récupérer en termes d'or sur ces cristaux d'arène non incollectables. Donc autant vous dire que là, je suis puni. Le Punisher me punit sur cet épisode 13, j'ai l'impression. Allez, encore 3 cristaux, toujours de l'or, décidément. Ce tirage est assez famélique, si je peux dire, en termes d'unité. Je crois que c'est l'un de mes plus petits tirages, hein. J'étais à 1500 et quelques, on fera le point à la fin du tirage, mais je crois que j'étais à 1500 et quelques unités. C'est mon plus petit tirage depuis longtemps en termes d'unités. Bah écoutez, il en faut, hein. Il y a des hauts et des bas, hein. C'est comme dans la vie. Et bah là, sur ce tirage aléatoire, force est de constater que même sur ce dernier cristal, à mon avis, je ne vais pas faire de miracle. Allez, je vais arrêter le massacre, pas de Punisher à l'horizon, pas d'unité à l'horizon, écoutez, ça sera encore de l'or, et bah décidément, je n'aurais pas été très bien servi sur cet épisode 13, donc on fait le récapitulatif. 1 820 000 or, forcément, c'est bien d'avoir 1 820 000 or supplémentaires, mais à mon palier de jeu, et avec mes ouvertures de cristaux, mes ouvertures de champions, et les composants, les consommables que j'ai, bah je n'ai pas de toute façon de quoi dépenser cet argent. Donc ça me servira peut-être plus tard, vous voyez, je suis bientôt à 19 millions, c'est super. Donc je crois qu'au niveau de la balance économique, là je suis arrivé à un niveau où ne pouvant pas faire des quêtes de très haut niveau du fait de mon faible temps de jeu, je récupère pas suffisamment de catalyseurs de classe 4 étoiles, de catalyseurs basique 4 étoiles, de catalyseurs alpha, etc., etc. pour monter mes champions 5 étoiles à des rangs plus élevés, notamment rang 3. Et à côté de ça, bah, j'ai pas suffisamment d'unités. J'en aimerais un petit peu plus. Mais bon, il faut pas trop en demander, c'est comme ça, les amis. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je joue un petit peu moins, je dirais même beaucoup moins, à Marvel Tournée des Champions, parce que je joue à d'autres jeux, et parce que le jeu me lasse un petit peu. Là, ces temps-ci, on demande trop, surtout la dernière offre de Vision, l'offre pour Pigeon Spécial Vision, ou l'offre Vision Spécial Pigeon, tournez-le dans le sens que vous voulez, m'a un peu refroidi. Et comme je disais, il y a d'autres jeux Marvel qui sont... Ah, c'est gentil l'invitation, mais je ne vais pas pouvoir te répondre positivement. Kaiser Sosé, je suis désolé. L'invitation pour les nouveaux donjons. Donc là, je m'écarte tout doucement, tout tranquillement de MCOC. Je garde une activité sur mon compte principal. J'essaie de continuer de faire des vidéos de tirage. Je verrai si j'ai le temps au mois de mai. Hein, je vous fais c'est un petit aparté. Si j'ai le temps au mois de mai de faire la quête d'événements. Mais vous voyez, pour ce mois d'avril, je n'ai pas eu le temps de vous proposer la quête d'événements à cause justement de cette grosse consommation d'énergie qu'elle demandait, surtout de mon temps de jeu qui est très réduit maintenant. Donc bah, je vais m'efforcer toujours de vous proposer des vidéos, mais peut-être à un rythme moins soutenu qu'avant. Donc là, vous avez certainement remarqué sur le mois d'avril que ça baisse un petit peu au niveau de mon rythme de jeu et mon rythme de publication. On verra si au mois de mai, j'arrive à renverser cette tendance, mais vu le travail, vu le temps que me prend mon travail maintenant, mon vrai travail dans la vraie vie, et ça, c'est vraiment très cool. J'ai quand même beaucoup moins de temps à consacrer à Marvel Tournée des Champions. Bah écoutez, les amis, c'est un petit tirage pour cet épisode 13. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez récupéré dernièrement dans ces cristaux du Punisher, enfin d'arène de l'incollectable. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, ou un petit peu moins vite. Ça dépendra de mon temps et du temps que je peux consacrer à cette production de vidéos. En tout cas, portez-vous bien. Comme d'habitude, faites attention à vous. Prenez soin de vos proches. Et un petit peace. Peace!